Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Tu vois, j'ai jamais eu trop d'oseille. J'espère que tout le monde va bien. Au cantiné. Donc, Ghana, Ranif, la localité est à Eure-et-Loire, Dreux. Donc, c'est à 1 heure et quelques de Paris. Comme Arfin, le dimanche prochain, donc, ça sera combien le dimanche prochain? Le 22 avril, ça sera le premier tour des élections en France. Donc, on a besoin d'attirer l'attention de Nes Koulchi, le fait que, même en France, on déchire les trucs des élections. Donc, on a déchiré, donc vous savez, ils ont mis exactement 11 plaques, donc, les candidats. Quelle est la première plaque où ils ont mis qui me dit que le gouvernement ou ce qu'ils attendaient réellement de le vote. Ensuite, ils ont fait un tirage au sort où une classe où il qui me dit que le bittertib les candidats à l'élection présidentielle. Donc Khtaro, donc après le classement qu'un y va joli 1 voilà. Donc ce que je veux faire remarquer aux gens, c'est que ici on a déchiré, surtout dans la région où j'habite, ils ont déchiré les photos de Sarkozy et de Marine Le Pen. Ça, je l'ai remarqué aujourd'hui en me levant. Subhanallah, même en France, on déchire. Bon, ils ont déchiré celle de Sarkozy et celle de Le Pen. Par contre, là, il y a et ce qui est intéressant, c'est que les gens, généralement, c'est la gauche. Malgré que le maire sortant, ça sera le maire UMP. Mais, Rani Choufouana, les gens ils vont virer complètement à gauche. Tant qu'ils vont voter plus Mélenchon ou la Hollande que les autres partis. Il y en a Beyrou n'existe pas, l'écologie presque Wallou, les autres, ils sont pas connus en métropole. Ils sont pas connus à l'île de France, alors pour se faire connaître en Eure-et-Loire, que c'est des régions généralement qui votent soit droite ou là qui votent extrême droite. Surtout les petits villages à côté de Chartres, d'Orléans et tout, quand ils votent Front National, ou Admel ou la droite, par exemple UMP, et là ils sont plutôt à gauche parce qu'ils en ont marre après 10 ans qu'on les prenne pour des cons. Voilà. Ouais. Et avant de quitter, donc une autre chose, c'est que les gens, ils se contrefoutent du vote. Après, je dis que le Hamas, je pense qu'il y aura un taux d'abstention très important. Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine, inshallah.